Bonjour à tous. Alors, on est lundi 20 janvier 2020 et c'est parti pour les arrivages du lundi à Lidl. Donc, je suis à Valenton. Allez, c'est parti. On va commencer, tiens, par les écussons thermocollants. Alors, les écussons thermocollants, c'est tout simplement des petits écussons comme ça, mais vous allez voir, il y en a plusieurs. Et du coup, pour les faire adhérer, il faut tout simplement les repasser et ça colle aux vêtements. Alors ça peut servir pour plusieurs raisons. J'en vois deux. La première, pour faire tout simplement joli. Vous avez ceux-là, je vais vous en montrer un qui est vraiment très joli. Voilà. Vous avez un t-shirt blanc ou une veste en jean simple. Vous pouvez le ou la personnaliser avec ce genre d'écusson. Mais ceux-là. Et ça peut servir à une deuxième chose, ça peut servir aussi à cacher les petites misères. Si vous avez un petit accro dans un jean, un t-shirt, etc. Voilà, donc on voit beaucoup aussi ce genre de... Ah, ils sont jolis, il y en a vraiment des jolis. Ce genre d'écussons aussi pour les enfants, vous savez, quand il y a un petit accro dans le jean. Il y en a vraiment des très beaux. Vous avez voilà les pailletés, ceux-là. Ceux-là, je vois bien sur une veste en jean ou un t-shirt blanc tout simplement, et vous en avez un autre modèle, c'est celui-là. Il y en a aussi, voilà, il y a les carrés. Et vous en avez des colorés. Donc il suffit juste de repasser pour que ça colle aux vêtements. Ensuite, on a la brosse coiffante. Donc les picots sont en céramique, donc ça permet voilà de lisser les cheveux. Donc elle est à 14,99€. Par contre, pour moi, mon avis à moi, mon conseil à moi, c'est que si vous avez des cheveux comme ça ou un peu plus frisés et que vous voulez vraiment avoir des cheveux, enfin un vrai lissage, il faut passer par le fer à lisser. Donc une fois que vous avez fait le fer à lisser, vous pouvez repasser ça dessus pour avoir quelque chose de vraiment nickel. Mais voilà, pour moi, ça, c'est vraiment si vous avez des cheveux comme ça ou voilà. Si vraiment vous voulez quelque chose de lisse, utilisez un fer à lisser. C'est vrai qu'après ça va vraiment dépendre de la matière de vos cheveux. Je vous dis ça parce que dans une de mes vidéos, j'avais présenté cette brosse et un fer à lisser. Et en fait, en disant ça, j'ai eu des commentaires qui m'ont dit « Non, non, moi c'est impeccable ». Donc c'est vrai, c'est impeccable, hein, mais il faut déjà avoir les cheveux, enfin une certaine matière de cheveux qui sont faciles à discipliner. Tondeuse à barbe, donc avec trois types de sabots. 19,99€. On met une tondeuse pour le corps. Autonomie 50 minutes. Elle est à 18,99€. Distributeur de capteurs à savon. Donc avec la recharge, 12,99€. Alors ça permet d'éviter de toucher le distributeur avec les mains, vous savez, avec les pompes là, les distributeurs basiques qu'on trouve dans le rayon du savon pour les mains, donc c'est un peu plus hygiénique. Porte brosse et brosse, 2,99€. Vous les avez en noir et en blanc. Ensuite, on a abattant AVC à 13,99€. Donc montage facile pour tous les WC standards. Donc facile d'entretien grâce à la fermeture rapide. Ah oui, bah d'ailleurs moi j'en ai une comme ça. Je suis en train de me rendre compte et c'est vrai que c'est bien parce que voilà, vous appuyez sur ce bouton là et ça vous permet d'enlever cette partie là pour pouvoir nettoyer autour. Haut-parleur de douche, 12,99€, donc tout simplement pour avoir la musique dans la douche. Donc il fonctionne en Bluetooth. Et ça c'est pour le brancher. Vous l'avez en blanc et en noir. Rideau de douche, 5,99€. C'est des rideaux pas en plastique, pas en PVC, une sorte de tissu comme ça, donc facile d'entretien, 100% polyester, donc lavable à 40 degrés, 12 œillets renforcés et anneaux de suspension inclus. Vous avez juste à le poser. Au niveau des tailles, ils font 180 par 200,
Vous pouvez le mettre pour la baignoire ou pour faire un... ou pour la douche. Il me semblait qu'il y avait trois modèles, mais je vois que c'est deux dessins là. Donc peut-être que dans vos Lidl, vous aurez un troisième modèle, troisième dessin, motif. Ensuite, alors ça, c'est des articles qui partent très très rapidement. À chaque fois qu'il y en a en... dans les arrivages, c'est 29,99€, vous avez le multigeur à évier. Donc les dimensions. Multigeur de cuisine. Et vous avez le multigeur de lavabo à évier, donc pour la salle de bain. Celui-là, il est encore emballé. Donc les dimensions. Donc 29,99€. Donc il y a tout ça à l'intérieur. Pareil, hein, dans le grand, il y a tout ce qu'il faut pour le poser. Hein. Ensuite, on a les flexibles de douche à 3,99€. Ils sont en plastique. Désolé, alors quand maintenant vous me connaissez, hein, quand je dis plastique, bien évidemment, c'est peut-être un autre sorte de plastique. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas ceux, vous savez, en métal. Là. Donc c'est un flexible de douche de 2 mètres. Donc vous avez celui-là ou celui-là. Rouleau de textile adhésif. C'est vrai que pour personnaliser une commode, vous voyez, c'est vraiment sympa. Moi, j'aime bien ces motifs-là en plus. Après, on a de la couleur, on a du vert. On a celui-là. Je vous le dis souvent dans mes autres vidéos, mais pensez à recostumiser vos meubles, etc. avant d'en acheter d'autres. Des fois, on a un meuble, en fait, c'est pas parce qu'il est vieux ou il est abîmé. Des fois, le moindre petit accroc, on le voit, c'est parce que tout simplement, on en a marre de voir son mobilier au quotidien. Et des fois, de changer comme ça, de le recostumiser. Ou je sais pas, ça peut être ça, ou ça peut être changé tout simplement. Vous savez, les boutons. Les boutons de commode ou de meuble, et rien que ça, bah, ça fait un petit coup de neuf. C'est comme les canapés, quand je vous dis, voilà, si vous avez un canapé abîmé, au lieu de vous empresser d'en acheter un autre, essayez de mettre des plaids, essayez d'acheter un tissu pour mettre dessus, essayez de changer la couleur de vos coussins, etc. Et des fois, rien que ça, rien qu'en dépensant une petite dizaine d'euros, bah, c'est évite d'en dépenser 300, 400 ou 500, et bah, du coup, ça donne un petit coup de nouveau, et on est bien mieux après. Alors ensuite, on a des accessoires de couture, on a des épingles à nourrice, on a le coupe-fil, on a les bobines, le fil universel, le scratch, des aiguilles pour machine à coudre, les bandes thermocollantes. Alors ça, c'est très bien pour faire les ourlets ou si vous avez des rideaux trop longs, au lieu de couper, vous pouvez mettre ça et du coup faire les ourlets, c'est ce que j'utilise. Pince à tissu, après il y a des choses que je connais pas forcément, des aiguilles, on a le mètre ruban, et ça c'est un tendeur pour drap de lit, d'accord. Donc voilà, donc en fait il faut fouiller, c'est 99 centimes. Donc on a les accessoires à couture à 1,99€, on a les aiguilles circulaires en bambou. Je sais que j'ai beaucoup de fans plutôt tricot, etc. Tricotin. Donc on a les mêmes aiguilles circulaires, mais du coup il y a une taille. On a ça. Gabarit pour pompons. Alors moi ça, moi je dis, quand j'étais petite, on les faisait avec du carton. Et tout simplement, il y avait juste à dessiner un rond avec un trou au milieu, donc deux. Parce qu'en fin de compte, vous allez passer votre fil et puis après au milieu, ça va faire des pompons. Essayez comme activité, si vous avez des enfants le mercredi, franchement, les enfants, ils adorent ça. Le mercredi ou le week-end ou un soir, hein. Les enfants, ils adorent ça. Alors vous avez celui-là qui est à 99, mais franchement, vous pouvez le fabriquer. Hein. Deux disques, deux cartons avec deux trous au milieu et c'est parti. Et des crochets.
On a des crochets aussi en bambou. Pareil, hein, en cherchant bien, vous allez trouver plusieurs tailles. D'autres accessoires de couture à 2,49€. Donc les lots sont à 2,49€ et les petites unités là sont à 99 centimes. Donc ça c'est un peu plus complet parce que vous avez les aiguilles, le passe-fil, le mètre ruban. Vous avez aussi des petites bobines de fil. Le lot d'élastiques. Le petit lot de fil à coudre. Et avec tout ça, ça sentait bien la machine à coudre. Donc on a celle-ci. Alors attention parce que à Lidl, ils ont plusieurs machines à coudre. Ils ont deux marques. Donc là, cette semaine, c'est celle-ci, hein, la Element par Pfaff. Donc elle est à 159€. Moi, les retours que j'ai à chaque fois de ces machines, c'est que le petit point positif, c'est qu'elles sont très faciles. Enfin, la prise en main est très facile. Et honnêtement, je n'ai pas de retour négatif du genre ça ne marche pas, elle est tombée en panne, etc. Bon, j'essaie de vous montrer le plus d'éléments possibles. Voilà, pied presseur universel, pied fermeture éclair, boutonnière ou roulet invisible, bouton, surjet, fermeture éclair invisible, pied à roulette. Lampe de bureau 8,99€. Donc c'est une lampe de bureau avec variateur tactile. Comme ça vous pourrez faire ça. Tiens, c'est ce que je devrais avoir chez moi, mais ça fera jour-nuit, parce que je pense que je passerai mon temps à faire ça. Ensuite on a le lampadaire vasque LED à 39,99€. On a un autre lampadaire LED, celui-là. Donc il est à 39,99€. Le panneau LED avec variateur de blanc. C'est pas forcément une lumière, hein, ce genre de panneau, c'est plus pour de la déco. Hein. Enfin, je veux dire, on ne peut pas mettre ça dans un salon. Si vous avez un coin, on va dire un peu canapé, enfin, vous avez le coin salon qui est vraiment différencié de la salle à manger, pourquoi pas, parce que vraiment, je pense que c'est pas une lumière, enfin, si quand même. Ça doit pas être une lumière très très forte. Il existe aussi en carré. Oui, ou dans un couloir, ça doit être pas mal. Allez, on passe à la salle de bain. On y était déjà tout à l'heure avec les mitigeurs, mais voilà. Donc on a les serviettes invitées, 3,99€. Alors les serviettes invitées, c'est des petites serviettes. Je cherche la taille. Voilà, donc c'est des 30 par 50, par 4. Alors, elles portent bien leur nom, parce que moi, c'est ce que je mets quand je vais recevoir des personnes. Je vais mettre ça sur un petit crochet dans la salle de bain, parce que comme ça permet à la personne de s'essuyer les mains, ou tout simplement pour le quotidien, pour les mains aussi. Ensuite on a les serviettes de bain, 6,99€. Elles font 100 par 150 et c'est du 100% coton. Donc on a trois coloris cette semaine. On a celui-là, ce coloris-là et celui-là. Ensuite, on a la version serviette de toilette, 50 par 100 par 2, 4,99€. Donc là, il y en a deux, mais dans la serviette de bain, là, il n'y en a qu'une. Et ensuite, on passe à la serviette de douche, 4,99€. Elle fait 70 par 140 et c'est l'unité. Et on est toujours dans du 100% coton. Ensuite, on a les tapis de salle de bain à 6,99€. Alors, c'est sympa parce qu'on retrouve les mêmes coloris que les serviettes. Donc, du coup, si vous êtes en train de refaire votre salle de bain, vous pouvez harmoniser les couleurs. Donc, on l'a en gris, en beige. On a aussi la version, vous savez, noire comme ça. Et on a aussi la version avec les petits carreaux. Donc, ils font 60 par 100. Peignoir en éponge, 12,99€.
pareil, on va retrouver les mêmes couleurs, celui-là, le gris et le beige. Et ils font, ils sont à 100% coton, lavable en machine à 60 degrés. Ensuite, salle de bain, qui dit salle de bain, 10 personnes, 12,99, mais alors c'est des 10 personnes vocales. Déjà que le lire, des fois, c'est compliqué, mais alors si on vous l'annonce, alors là... Donc du coup, touche de sélection pour la langue et volume réglable. Donc voilà, là, voilà ça, tous les matins, il y a une, je ne sais pas si la voix, on peut choisir sa voix ou si c'est la voix d'un homme ou d'une femme qui va vous dire, à mon avis, vous faites tant de kilos. Et celui-là, celui-là. Tiens, plus loin, j'ai retrouvé des tapis de salle de bain de ce motif-là. Il devait y en avoir, mais à mon avis, c'était bien au fond. Et là, du coup, c'est au-dessus. Vous avez cela et vous avez le marron. En tout cas, ils sont assez épais. Hein. Brosse à dents, 6,99. Donc, il y a 3 recharges. Vous voyez, par exemple, faites attention. Là, alors, je ne sais pas si c'est été ouvert. Enfin, ça a dû être ouvert. Il n'y a plus les piles. Donc vérifiez bien quand vous achetez un article, même si c'est un article pas cher, même si c'est un article de moins de 10 euros, même si c'est un article à 40 centimes, vérifiez ce que vous achetez déjà, que c'est complet, que ce ne soit pas ouvert. Donc là, vous avez les piles avec et 3 têtes de recharge. Alors pareil, c'est vrai que c'est pas évident parce qu'en fin de compte, enfin je sais pas vous, mais moi, c'est vrai que quand je fais des achats et qu'il y a un petit achat comme ça, 6,99, je ne pense pas forcément à garder le ticket. Quand j'achète des choses à 50, 100 euros, c'est vrai que je pense à garder le ticket. Mais dès que vous achetez des choses qui peuvent être, enfin non alimentaires, hein, qui peuvent tomber en panne, pensez à garder le ticket. Soit vous vous faites une pochette, une petite pochette, vous savez, vous en avez, alors j'en ai vu, je crois que c'est, je me demande si c'est pas Carrefour ou Leclerc, c'est des petites, des chemises, mais de cette taille-là. Et en plastique, et c'est très bien, ça doit valoir dans les 2 euros. Vous savez, comme les grandes chemises en enfin cartonnées à élastique, mais celle-ci, elle est vraiment de cette taille-là. Du coup, vous y rangez tous vos tickets, et puis vous faites le ménage dedans tous les 2 ans, parce qu'en général, les garanties, c'est 1 an, 2 ans ou 3 ans. Et alors, le seul petit souci, c'est que parfois, il y a des tickets, avec le temps, ça s'efface. Alors, j'ai envie de vous dire, il vaut mieux, bon, peut-être, je ne sais pas, après c'est à vous de choisir, mais quand vous achetez surtout des choses assez chères, pensez à photocopier votre ticket, parce que sinon, vous savez, l'encre s'en va. Moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir un ticket, un problème, c'était un ordinateur portable. Je suis arrivée en caisse, et ça me fait rire, mais sur le coup, ça ne m'a pas fait rire, parce que du coup, j'ai perdu la garantie, mais j'ai présenté mon ticket, il était plié, moi, je n'ai pas pensé à le déplier à la maison, et quand je l'ai plié, il n'y avait plus rien, il était quasiment blanc. Voilà. Sinon, alors, pour Lidl, j'ai pas encore été voir, mais je crois que sur leur site Lidl, vous avez moyen de scanner votre ticket. Je ne sais pas trop le principe, mais à mon avis, ça va être de rentrer votre numéro de ticket de caisse et de pouvoir conserver les factures. Voilà, à voir. Allez sur le site Lidl, et puis vous verrez la marche à suivre. On retourne dans les plafonniers LED, 9,99. Vous l'avez aussi en carré. Ruban lumineux à LED, 9,99. Ça, on peut mettre partout, hein, au-dessus de la télé, dans la cuisine, voilà, sur les meubles. Il y a la télécommande et 3 mètres. Chercher le... Ensuite, on va terminer par un dernier lampadaire à 39,99€, vasque LED. Voilà. J'ai refait le tour, je vous ai vraiment tout présenté. J'espère que vous avez trouvé votre petit bonheur. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une très très bonne semaine. À bientôt.